sommaire de cette édition, un coup de projecteur sur les grands dossiers qui seront sur la table de la conférence internationale sur la sécurité maritime de novembre prochain à Lomé, retour sur la nouvelle mission des forces de l'ordre de sécurité togolaise que le chef de l'État veut désormais plus opérationnel et plus proche de la population. Enfin, un nouveau rang de négociation pour les deux gouvernements qui se disputent la gestion de la Libye. Ils sont réunis depuis ce matin au Maroc pour un dialogue de deux jours qui devra leur permettre de trouver un accord de partage du pouvoir. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le ministère du Premier ministre israélien au Togo, Moham Kaz, dépêché à Lomé par Benjamin Netanyahu auprès de son homologue commissaire Lomtassou, est venu discuter coopération bilatérale avec ce dernier. Kamama Diakako a recueilli ses propos à sa sortie d'audience. Stating the good relations that exist between Israel and Togo. Et avec le Premier ministre des relations entre l'État d'Israël et le Togo. Et nous avons demandé le support, le soutien de l'État togolais dans des conférences que nous aurons. Et je suis très heureux d'être ici et je remercie le peuple togolais et le gouvernement togolais pour l'hospitalité. Et j'espère que notre collaboration, notre coopération sera de plus en plus grande pour l'avenir. Les Togolais attendent un grand événement en novembre prochain, vous le savez. C'est en effet du 2 au 7 novembre de cette année que la communauté internationale s'est donné rendez-vous dans notre capitale pour parler sécurité et développement des activités portuaires et maritimes. Dans les différentes instances, nationales comme internationales, intéressées par le sommet, on se prépare pour y participer avec beaucoup d'assiduité. Nous sommes à un peu plus de 2 mois de la date butoir. C'est déjà pour nous le moment de nous interroger sur les grands dossiers qui vont meubler les travaux. De quoi va-t-on parler concrètement à cette conférence? Découvrons-le dans ce reportage de Charlotte Onsimé. Les jours s'égrènent et bientôt le sommet de l'Union africaine sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique. Une conférence internationale qui veut offrir de meilleures perspectives aux activités maritimes. Au niveau des parties prenantes, on met les bouchées doubles pour que l'organisation soit à la hauteur de l'événement. L'initiative revient en premier lieu à la diplomatie togolaise. Plus de 92% des exportations et importations en provenance ou à destination de l'Afrique passent par la mer. Le sommet de Lomé est la manifestation de la volonté de nos chefs d'État d'ouvrir chaque jour l'affirmation du continent et d'ouvrir également pour son développement socio-économique à travers l'exploitation de toutes les potentialités à la disposition de l'Afrique. Au-delà du thème central, axé sur la sécurité maritime et le développement, d'autres sujets connexes sont également à l'ordre du jour. Et ce thème devra permettre à la conférence ou au sommet d'aborder des questions d'importance majeure, touchant notamment à la piraterie maritime, à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, les trafics illicites de tout genre transitant par la mer, la préservation de l'environnement marin et la mer comme facteur de développement. Déjà en janvier 2014, à la conférence d'Addis Abeba, les chefs d'État et de gouvernement adoptaient la stratégie africaine intégrée pour les mers et les océans à l'horizon 2050. Cette stratégie met un accent particulier sur le développement d'une économie bleue florissante, durable et sécurisée dans le respect de l'environnement. Il est alors évident que l'économie bleue a de l'avenir. L'économie bleue en Afrique a de l'avenir.
Nos espaces maritimes sont étendus et je crois que nous pourrions autant que possible en arriver là si la politique définie dans la stratégie africaine intégrée est menée de la meilleure manière possible avec les moyens efficients et appropriés et qui devront être trouvés. Donc, l'économie bleue pourrait permettre à l'Afrique, à travers l'exploitation de nos richesses marines, dans le respect bien sûr de l'environnement, d'atteindre un certain nombre d'objectifs, notamment l'aspect touchant à la prospérité des populations africaines. Il est important que la mise en œuvre de cette stratégie africaine intégrée se fasse et permette à l'Afrique de pouvoir se prendre en charge sur de nombreux plans. Et justement, pour que cette mise en œuvre soit effective, la conférence de Lomé aura à réfléchir sur les mesures et moyens qui permettraient à l'Afrique de protéger et de sécuriser son espace maritime afin d'en tirer le meilleur parti. Également, les chefs d'État étudieront les voies et stratégies qui aideront l'Afrique à promouvoir une économie bleue grâce à l'exploitation des richesses dont regorgent les mers et les océans. Cette mobilisation contre l'insécurité sous toutes ses formes dans notre espace maritime ne détourne pas pour autant nos forces de sécurité de leur mission régalienne qui est de faire échec à toute entreprise criminelle et autre infraction qui se développerait sur le reste du territoire, particulièrement dans les villes et villages du pays. Il y a quelques mois, le président de la République avait d'ailleurs engagé nos forces de l'ordre et de sécurité dans un vaste processus de réforme dont l'un des objectifs majeurs était d'en faire des forces de proximité. Le concept fait actuellement l'objet d'une campagne d'information et d'explication à travers le pays. Commandants de régions et de brigades, commissaires et officiers de police et de gendarmerie, préfets et chefs traditionnels sont les cibles de cette campagne dont la marque Bojona a assisté samedi dernier à une des séances à Sokodé. Sensibiliser et informer les commandants des brigades et chargés de commissariat de police sur le concept et la mise en œuvre de la police de proximité. C'est l'objectif de cette rencontre rendue possible grâce à l'accompagnement financier de la Fondation Hans Zedel. À Sokodé, pour le compte de la région centrale, il s'est agi d'expliquer aux acteurs de terrain que sont les commandants d'unité de gendarmerie, de police, les préfets et les chefs traditionnels, le concept de la police de proximité au Togo et ses implications pour la sécurité. L'objectif de cet atelier, c'est sur la police, sur le concept de police de proximité, c'est rapprocher au maximum les citoyens et les forces de sécurité. Les forces de sécurité, dans leur quotidien, qu'ils soient conscients qu'ils sont au service des populations et non l'inverse. Et aujourd'hui, ils sont à un effectif moins, mais vraiment moins que la population. Et donc, c'est à eux d'apporter, enfin, la population peut les aider dans leur travail de policier ou de gendarme, en leur apportant des informations. Le colonel Kodjo Amana, représentant le ministre en charge de la sécurité et de la protection civile, a témoigné sa reconnaissance au chef de l'État qui œuvre pour placer l'intérêt des populations au centre de toutes les administrations. Le chef de l'État a clairement exprimé depuis l'année passée sa volonté et sa détermination à donner une sécurité totale à toute la population togolaise. En initiant
la refondation des forces de défense et de sécurité. C'est dans le même sens d'idée. Et pour traduire donc cela dans les faits, que le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a initié le présent atelier pour renforcer la capacité des forces de sécurité afin d'assurer la sécurité pour tous. Le concept de police de proximité consiste essentiellement à prévenir la criminalité en particulier et l'insécurité en général en développant durablement des partenariats avec les populations et l'ensemble des institutions publiques et privées. Et si nous nous intéressons à présent et de façon plus précise à cette réforme dont il est question, il faut d'abord dire qu'elle ne concerne pas que la police et la gendarmerie. Il y a aussi les forces armées. Mais dans le cas des premières, c'est-à-dire les forces de l'ordre et de sécurité, l'objectif est de les rendre plus opérationnelles et plus proches des populations, comme cela a été dit dans le reportage. Et ceci se fait d'ailleurs déjà sentir dans leurs prestations, dont on constate une certaine amélioration, notamment en matière de lutte contre la délinquance et dans la fourniture des services à la population, comme l'établissement de pièces d'identité. La preuve dans ce reportage réalisé par Aimé Abalo au commissariat central de la ville de Lomé. Prise de la taille, signalement, puis collecte des données. Ainsi se résument les formalités requises pour l'obtention d'une carte d'identité. À la manœuvre, les agents de la police. Mais comment les citoyens interprètent-ils les services qui leur sont offerts? J'ai été bien accueillie, mais j'exhorte les gens de respecter les policiers parce que le corps là n'est pas facile. Et tout ce qu'ils font ici, c'est très difficile. Et bon, il faut que si les gens viennent ici, ils n'ont qu'à suivre les ordres des policiers. Je suis venue pour faire ma carte, ils m'ont bien accueillie. Les policiers, avant moi, ils les créaient. Un homme très 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 rigoureux. Mais quand je me suis approché d'eux, ils savent que c'est des hommes qui sont gentils comme nous. Ils sont comme nos parents, nos frères. Donc quand ils donnent tout respect à un policier, s'il reçoit tout ce qu'il a comme gentillesse. Il y a nette amélioration dans la gestion même de l'établissement de ces pièces que nous avons actuellement. Il y a l'ordre qui est établi, que moi personnellement j'apprécie, quand bien même il y a un volume important qu'il traite par jour, je dirais que vraiment l'accueil, il est parfait. Le volume des demandes ici au commissariat central de la ville de Lomé est de 200 à 300 dossiers recueillis chaque lundi, mercredi et vendredi. L'engouement des citoyens à disposer d'une pièce d'identité résulte de la modernisation des services de la documentation avec du matériel à la pointe de la technologie, des facilités offertes en matière de célérité et de réduction des délais d'attente. Dans leurs prestations, policiers et gendarmes sont même appelés à se rapprocher plus des populations en entretenant avec elles une certaine courtoisie et un climat de confiance mutuelle. Un boy, dès que les policiers rentrent dans les quartiers, pour qu'ils soient habitués avec les populations. Parce que les populations disent que quand ils m'approchent d'un policier, c'est un homme très dangereux parce qu'ils tiennent les armes et autres. Donc s'ils approchent les hommes de la rue, bon, au fur et à mesure, ils vont coopérer. Ce ne sont pas nos ennemis en quelque sorte. Ce sont nos amis, nos frères, nos parents. Lorsqu'un agent, un civil, a contact avec un corps habillé, il y a cette peur qui domine. C'est pas totalement parti. Et dire que c'est dissipé, je dis non. Mais je crois qu'avec le temps, ça va changer.
c'est une bonne chose. Mais je dis toujours, mais est-ce qu'ils ont les moyens nécessaires? Les moyens, l'État les déploie progressivement. Au fur et à mesure que s'exécute son plan de refondation des forces de défense et de sécurité. Formation, renforcement de capacités opérationnelles, logistique, motivation, plan de carrière et même un nouveau statut pour la police. Le chef de l'État a voulu ou veut rapprocher le système de sécurité du citoyen. Aujourd'hui, vous avez de nouvelles unités qui sont créées. Par exemple, au niveau des forces de défense, vous avez deux régions militaires, vous avez deux régions de gendarmerie. Et il en est de même au niveau de la police, vous avez deux régions de police, vous avez la région numéro 1, la région numéro 2. Et au sein de ces régions de police ou de gendarmerie, vous avez des services déconcentrés. Aujourd'hui, vous avez au moins le commandant de région de police qui est basé à Tchévié pour la région numéro 1 qui part d'Atkoumé jusqu'à Lomé. La région numéro 2, il est basé à Accara, donc de Blita jusqu'à Dapon. Le concept de police de proximité, nous ne pouvons réussir qu'avec la participation effective et entière de la population. Les autorités sifflent donc la fin de l'époque de la peur et de la méfiance vis-à-vis des forces de l'ordre. Elles en appellent à une implication de toute la société pour faciliter la tâche aux flics face aux défis sécuritaires de l'heure. C'est une ère de confiance qui s'annonce, l'épopée d'une nouvelle aventure entre civils et agents en uniforme. Veiller au respect du bien commun et de façon générale des règles qui régissent la vie en société, c'est l'autre mission classique des forces de l'ordre et de sécurité. Le département en charge de la formation civique et de l'éducation à la citoyenneté peut toujours compter sur elle pour cela. Un département qui a choisi de faire de la gendarmerie féminine le pilier central de la campagne de sensibilisation qu'elle mène actuellement sur l'esprit civique et citoyen. Il a réuni quelques-unes de ses femmes pour une formation appuyée sur la politique nationale de formation civique adoptée en juin 2014. Compte rendu, Antoinette Romain Vovo. La représentativité des femmes, plus de 51% de la population togolaise, constitue un facteur important sur lequel le gouvernement compte s'appuyer pour vulgariser la politique nationale de la formation civique et de l'éducation à la citoyenneté adoptée le 12 juin 2014. Le ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique s'engage donc à faire de ce groupe cible le pilier central de l'éducation à la citoyenneté conformément à l'axe 3 de cette politique. Nous nous sommes dit qu'il faudra donner les stratégies nouvelles aux femmes pour les amener à jouer pleinement leur rôle d'éducatrice. Nous souhaitons qu'elles soient les actrices, les premières, les ambassadrices du civisme et de la citoyenneté. Le gouvernement togolais s'attache à la promotion des valeurs civiques et citoyennes dans le pays pour une émergence de citoyens responsables, solidaires et dévoués pour la cause de leur patrie. Il s'agit aujourd'hui pour notre pays d'induire un véritable changement de comportement des citoyens et de favoriser l'émergence d'institutions fortes et stables, animées par des femmes et des hommes de qualité, responsables et puis de valeurs éthiques et morales, républicaines et citoyennes. Le présent séminaire permettra sans doute d'identifier les défis à la participation citoyenne de la femme togolaise et de formuler les stratégies d'intégration et d'éducation à la citoyenneté
aux initiatives des acteurs du domaine. Cette formation balise la voie à d'autres pour une lutte efficace contre l'incivisme afin de bâtir une nouvelle société togolaise où les valeurs civiques et citoyennes seront des vertus partagées par tous. L'Association togolaise pour le bien-être familial, la TBF, fait le bilan de ses activités pour la période de 2012 à 2015. Réunis à Kpalime la semaine dernière, les membres de cette institution ont procédé à une revue de toutes les actions qu'ils ont menées conformément au plan stratégique dont ils s'étaient dotés. Au vu des résultats, il est prévu l'adoption d'une nouvelle feuille de route pour la période de 2016 à 2019. Yves Abedi. Ils sont 55 participants et agents mobilisés pour l'élaboration du nouveau plan stratégique 2016-2019 de l'Association togolaise pour le bien-être familial ATBF, plan qui doit faire suite au précédent de 2012, ce dernier qui doit être clôturé cette année 2015 avec un bilan positif selon les responsables à l'ouverture des travaux d'élaboration de la nouvelle stratégie, une rencontre tenue à Palimé. Nous avions axé ce plan 2012-2015 sur l'offre de services, le renforcement de l'accès aux services. C'est notre premier axe dans ce plan finissant. La TBF a fait des efforts énormes pour que l'offre de services en matière de planification familiale, mais au-delà de la planification familiale, les services dans ces cliniques fixes dans la majorité des hameaux les plus reculés du Togo. Le nouveau plan stratégique doit poursuivre les activités du plan précédent avec une particularité faite aux droits des jeunes et des populations. Le nouveau plan stratégique de la TBF continue dans le renforcement de l'offre, mais va mettre un accent plus particulier sur les droits des populations, les droits des jeunes en matière de santé sexuelle et de la reproduction. Créé en 1975, la TBF vient de boucler ses 40 ans avec un slogan « La TBF au service des populations ». Dans le secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle aussi, l'on veut se doter de nouveaux mécanismes de gestion et de pilotage, notamment des programmes d'enseignement. Les acteurs ont choisi eux aussi de se retrouver au pied des monts Cloto à Kpalime pour mener des réflexions sur le sujet. L'objectif est de relever le défi de l'adéquation entre la formation et l'emploi. Reportage Luc Assi, Antoinette Romao Vovor. Depuis quelques décennies, le système d'enseignement technique et de la formation professionnelle offre l'opportunité à tous les citoyens d'apprendre et de maîtriser un métier pour une insertion adéquate dans le monde du travail. Aujourd'hui, ce secteur est en proie à des difficultés d'ordre matériel, logistique et académique. Face à ces défis, les acteurs nationaux du système se sont retrouvés ici à Kpalime pour échanger et partager leur expérience en vue de s'accorder sur les mêmes orientations, stratégies et actions concrètes à imprimer au secteur pour ainsi lui insuffler une dynamique nouvelle. Nous aurons à parler de la télévision de nos directions, le mode de pilotage de nos établissements. C'est une remise en cause de tout notre système pour qu'on puisse se redémarrer sur de bonnes bases. Ça nous permettrait de redéfinir des programmes plus adaptés au marché de l'emploi et là, notre méthode de formation est formée pour le marché, non formée pour la recherche du travail. Le ministère de tutelle attend beaucoup des résultats de cette assise en vue de faire de l'enseignement technique et professionnel un véritable pôle de développement des compétences et d'accompagnement des différents secteurs socio-économiques. Nous avons beaucoup de défis à relever sur le plan des infrastructures et sur le plan des ressources humaines.
mais surtout sur le plan pédagogique où nous avons quelques problèmes par rapport au programme d'enseignement et au matériel didactique. Nous allons donc visiter toutes ces contraintes et tracer des lignes qui nous mèneront vers des solutions adéquates. Cette rencontre destinée à redéfinir le mode de pilotage du système de formation technique et professionnelle s'ajoute aux actions déjà entreprises, notamment l'équipement de quelques centres régionaux d'enseignement technique et de la formation professionnelle CRETEFP et la création du centre de formation des métiers de l'industrie CFMI à Lomé. Deux gouvernements pour un pays. Nous sommes en Libye depuis la mort du colonel Kadhafi. C'est le chaos dans ce pays. Plusieurs factions armées se disputent les différentes parcelles du territoire pendant que les politiciens, eux, se disputent le pouvoir. De ce capharnaüm émergent donc deux gouvernements, chacun se réclamant de la légitimité populaire. Après plusieurs tentatives, les protagonistes ont fini par accepter de se parler, mais parviennent difficilement à un accord. La dernière réunion se tient depuis ce lundi au Maroc. Serait-ce la bonne? On attend l'issue pour voir. La question de 48 heures du dialogue interlibyen s'ouvre ce lundi 24 août à Sriraat, au Maroc. Deux jours de discussion destinés à trouver une solution de sortie de crise. Après deux premières réunions à Genève en Suisse et à Casablanca au Maroc, les Nations Unies et les deux parties impliquées dans le dialogue semblent déterminées à trouver le chemin vers une coopération entre les deux gouvernements. L'antagonisme entre les parties libyennes est particulièrement important. Ce dialogue, qui est donc la succession de plusieurs dialogues depuis plusieurs mois, est probablement celui d'une nouvelle chance. La plus chose la plus importante, c'est la stabilité et la paix en Libye. Il y a donc le dialogue qui est particulièrement suivi par l'Algérie d'un côté, le Maroc de l'autre, mais aussi ceux qui se réunissent donc en Suisse. La Ligue arabe, par exemple, a un souci particulier de lutter contre la présence, aujourd'hui avérée, sinon confirmée, de l'État islamique en Libye. Un dialogue suivi par les pays voisins de la Libye, puisque le pays pourrait jouer un rôle majeur dans la lutte contre l'État islamique. Le désarmement des milices pour plus de coordination entre les deux gouvernements serait également un des enjeux à long terme de ce dialogue. Le plan proposé à nouveau consiste donc pour les Nations Unies à avoir un gouvernement donc d'union nationale nouveau. La pression populaire en Libye est aujourd'hui très importante, encore plus importante que par le passé, sans doute qu'elle va peser. Si jamais on arrive à un accord négocié, l'application sur le terrain va être une vraie difficulté. Le rôle des milices qui ne sont pas conviés à ce dialogue va être aussi assez compliqué parce qu'il va falloir les désarmer. Et puis, la circulation évidente, avérée, dangereuse des armes dans ce pays posera encore un autre problème. Les Nations Unies se sont données jusqu'au début du mois de septembre 2015 pour faire signer aux deux camps un accord de paix. En France, les trois jeunes Américains qui ont sauvé les passagers d'un train en provenance d'Amsterdam pour Paris via Bruxelles d'un carnage ont été décorés ce lundi à l'Élysée par le président François Hollande. À leur côté, le Britannique qui leur a prêté main forte dans leur lutte contre les terroristes. Arrivés incognito pour faire du tourisme dans l'Hexagone, les voilà donc élevés au rang de héros par toute une nation qui leur exprime sa reconnaissance à travers sa plus haute distinction honorifique, la Légion d'honneur. C'est l'image du jour. François Hollande qui honore au nom de la France quatre simples voyageurs devenus en l'espace d'un instant des héros. Quelques minutes plus tôt, les trois Américains font leur entrée dans la cour de l'Élysée, guidés par l'ambassadrice des États-Unis en France. Spencer Stone, le bras encore douloureux. Anthony Sadler et Alex Carlatos, entourés également de leur mère.
Tous trois ont à peine plus de 20 ans. Style décontracté, manifestement pas du tout impressionnant. Pour leur acte héroïque, le chef de l'État leur remet la plus haute distinction de la République. Monsieur Spencer Stone, au nom de la République française, je vous fais chevalier de la Légion d'honneur. Devant Manuel Valls et une bonne partie du gouvernement, François Hollande rend hommage à ceux qui ont permis, dit-il, d'éviter un carnage. Votre héroïsme doit être un exemple pour beaucoup et une source d'inspiration. Face au mal qui est là, qui s'appelle le terrorisme, il y a un bien, celui de l'humanité. C'est celui que vous incarnez. En costume cravate, Chris Norman semble le plus ému. Ce passager britannique est également décoré. Il a prêté main forte aux Américains pour maîtriser Ayoub El Kazani. Comment je me sens? Je suis heureux d'être en vie. Je veux surtout remercier mes coéquipiers Alex, Spencer et Anthony. François Hollande a aussi précisé qu'il décorerait ultérieurement un franco-américain encore hospitalisé et un français qui souhaite garder l'anonymat et qui a été le premier à intervenir. Le Togo, la forêt sacrée de Djelida dans le canton de Kouméa va connaître une nouvelle vie décimée par les populations riveraines. Cette forêt va donc revenir à la vie grâce aux actions de reboisement entreprises par les mêmes populations à la faveur de la mise en œuvre du projet renforcement de la participation communautaire pour la protection de l'environnement et la restauration de la fertilité des sols piloté par l'ONG Eau Vive. Nestor Mouzo. La forêt sacrée de Djelida à Kouméa dans la Kouza est en voie de disparition. Le village de Pior, auquel appartient cette forêt, a pris conscience de la situation. Pour sauver cette forêt, le comité villageois de développement a entrepris une action de reboisement autour. Par le passé, c'était une grande forêt qui hébergeait beaucoup d'animaux sauvages. Cette fois-ci, on voit que avec les feux de brousse, la forêt même n'est plus comme elle était auparavant. Donc c'est l'idée là qui nous a animé de faire ce reboisement pour renforcer cette forêt communautaire sacrée. Il a fallu l'intervention de l'ONG de solidarité internationale Eau Vive pour que cette opération de reboisement soit menée. Eau Vive est arrivé à Pio avec un projet dénommé renforcement de la participation communautaire pour la protection de l'environnement et la restauration de la fertilité des sols. D'abord, c'est pour créer une zone tampon entre la forêt sacrée elle-même et le reste des terres disponibles pour que les populations ne soient pas amenées à cultiver jusqu'à rentrer dans la forêt. En plus, les anacardiens ont été choisis parce que c'est une plante à graines, donc qui donne les graines de cajou, donc qui seront vendues et pour être renflouées dans les caisses de la communauté et entreprendre d'autres activités de développement au niveau du village. Nous exécutons le projet grâce à la collaboration de l'Union européenne qui a apporté un appui financier et en partenariat avec des ONG au niveau local, à savoir PADES, le programme d'aide pour le développement économique et social, Agité, Action Jeune Togo, ECAP-EGR, Complexe Agro-Pastoral, Éco des Jeunes Ruraux. Le village de Pior partage le projet renforcement de la participation communautaire pour la protection de l'environnement et la restauration de la fertilité des sols avec 49 autres villages répartis dans les préfectures de la Kouza et de la Bina. À Tchamba, pour améliorer le cadre environnemental, pour tout en préservant l'environnement dans la région et pensant à la création également d'emplois au profit de ses membres, la coopérative des producteurs d'Anaka
cadre à jeter son dévolu sur la culture du soja. De vastes champs de cette céréale ont ainsi été créés avec l'aide du général Mohamed Atcha Titipina, qui était d'ailleurs le week-end dernier en visite dans le secteur, accompagné d'une délégation du ministère du Commerce. Au dire des bénéficiaires, cette initiative a permis de réduire l'exode et la pauvreté dans la région. Reportage, Lamarck Boudjouna. Ces champs de soja et d'anacardier qui s'étendent sur une superficie de 100 hectares sont cultivés par un groupement composé de 100 jeunes. Initié par le général Atcha Titipina depuis 4 ans pour réduire l'exode et la pauvreté dans le milieu, ce groupement porte aujourd'hui le nom de coopérative des producteurs d'anacarde de Tchamba. Nous avons commencé ce travail il y a de cela 4 ans. Il faut remercier le chef de l'État, son excellence Professeur Zenania Singwe, et nos autorités locales. Il faut les remercier exactement parce qu'ils ont eu une vision lointaine avant les jeunes s'aventurer vers le Nigeria. On a 50 hectares à Cricri, 50 hectares à Kotchone. Et avec des nouvelles sites qui sont en train d'être reconquéris. Donc, effectivement, ça freine ce fléau. La visite de ces champs par Atcha Titipina et la délégation du ministère du Commerce et de la Promotion du secteur privé vise à aider ces producteurs par le projet de renforcement des capacités productives et commerciales de la filière soja du CIR cadre intégré renforcé. Le gouvernement a négocié et obtenu un financement pour appuyer la filière soja. Et nous avons démarré la mise en œuvre de ce projet. Et étant donné que Tchamba est une grande zone de production, nous sommes venus aujourd'hui pour visiter les champs. Nous allons déployer tous les efforts pour accompagner ces jeunes qui sont très bien organisés et ça permettra vraiment de rehausser leur niveau de revenus avec les efforts qu'ils sont en train de faire. Un barrage est en construction afin d'irriguer les champs. La visite a pris fin par la sensibilisation des producteurs afin qu'ils redoublent d'efforts dans la production du soja et bien jouir des fruits de leur labeur. Ce journal s'arrête ici. Merci de votre aimable attention. Retrouvez Isidore Koubatine pour notre dernière édition du jour.